Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Let's Play. Je sais pas combien de temps il durera, mais Samara Room. Voilà, c'est un jeu donc présenté par Rusty Lake, qui ont fait. En fait, c'est une sorte d'escape game. Voilà, un petit peu comme j'avais fait The Old Tree, un petit peu de cette trempe-là. Même si je pense qu'il va être un petit peu plus long. Je sais pas s'il sera sur plusieurs épisodes. Mais voilà, je l'ai pris parce que je crois qu'il était gratuit au moment où je l'ai pris sur Steam. Je sais pas s'il l'est encore. Mais voilà, donc je vous propose de se lancer donc dans Samsara Room. Où suis-je? C'est en français déjà, on peut le noter. Est-ce le cercle de ma vie? Je dois réussir à sortir. Alors j'ai pas eu le temps de voir les symboles du coup. Ok. Clique sur les flèches pour te déplacer. D'accord, ok. Donc on est cette silhouette. Enfin, il me semble que c'est nous, hein, dans. Ouais, dans ce. C'est moi, voilà, oui, c'est ça. Bah, c'est. C'est moi, c'est cool. Voilà, je. Un peu creepy. Un petit peu creepy, mais. Mais pourquoi pas. Ok. Il y a une bougie. Utiliser des objets dans mon inventaire. C'est fermé. Très bien. Donc ça va être beaucoup d'exploration. Hein. Je n'ai absolument pas regardé de Solus, de vidéos sur le sujet. Donc vraiment, on est en mode découverte totale. Je vais fermer ça. Attendez, excusez-moi. Voilà. Parce que j'avais une machine virtuelle qui était. Enfin, j'avais un TeamViewer qui contrôlait une machine virtuelle d'ouvert. Donc. Ok. On a un téléphone là. Ok. Alors on a des lettres, beaucoup de. On a 3 E et une voyelle. Y a pas de A. Parce que y aurait eu un A. Ah non! C'est bon? J'ai. Ah! Non, alors. Non, c'est pas ça. Ça, je. Refais-le. Je crois avoir trouvé le mot. Je suis pas sûr. Ah bah non. Il manque. Aïe, gentlemen. C'est ça? C'était peut-être pas ça. Ou alors? Non, donc c'était pas ça. C'était pas High Gentleman. Bon, on va tourner à gauche. On va bien voir. Interagir avec les éléments du décor. Crochet là, je peux pas le retirer. Non. Ah. Ok, d'accord. Une autre bougie. Ok. Tiroir coulissant, oui. Ah d'accord, ok, je dois tirer dessus. Alors on va commencer par celui d'en haut.
Ok. Ici, j'ai un couteau. Ici, j'ai un poisson. Et ici, une troisième bougie. Et mon inventaire commence à être plein déjà. Ok, donc ça, je peux rien en faire. Est-ce qu'il y a une heure précise? Non. Donc il est midi ou minuit? Ok. Donc lui, il est parti. C'est une peinture ou... Hé. D'accord. Ok. Non, non, bon, certainement pas. Le couteau et le poisson. Non. Bon, on a déjà pu mettre les bougies quelque part. Ok. Est-ce qu'avec le couteau, je peux essayer de forcer la serrure? Non. C'est moi. Oh, S. Y a un S là. Y a un S qui est derrière moi. Ok. Je sais pas ce qu'on peut en faire. Ah! Eh oui! On peut ouvrir le courrier avec le couteau. Parce que je peux pas déchirer l'enveloppe, idiot. Enlighten me. Ok, donc on a le poisson. Excusez-moi. On a le poisson. Le S pourrait sembler ouvert. Mais ok. Ok, donc on a des éléments à trouver, hein. J'espère que c'est pas un mot en allemand ou quelque chose dans le genre, hein, parce que... Ah! E-N-L-I. Enlighten. Il n'y a pas de T? Si. Acheter Lighten Me. Ah, ok, d'accord. Ah, on a les allumettes. Ok.
Je revérifie, hein. Mais au cas où j'aurais raté quelque chose. Mais je pense qu'on est bon là-dessus. Le gecko, il est là maintenant. Ah. Bah super. Donc il doit y avoir une heure à indiquer. Mais j'ignore laquelle. Ok. Ah. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Hormis que ça fait des bruits chelous. Je peux rien faire. Attendez. Que je peux le voir de plus près et de plus loin. Mais ok. Ok, on va partir à la chasse à ce gecko. Je tente un truc, hein. Il y a un truc peut-être à faire ici. Non. J'ai l'impression que ça serve à quelque chose. Ben là, je sais pas. Je vous avouerai ne pas trop savoir que faire de tout cela. Oh. Attendez, 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 attendez. Alors, déjà, je suis débile, hein. J'ai pas essayé, c'est enfin, je bouge dans le miroir, mais je voulais voir si je pouvais pas prendre le bord, s'il y avait pas quelque chose derrière le miroir. Visiblement non. Là-dessus, je fais fausse route. Après, il y a ça, là, il y a ce bocal.
Le lézard y est pas hein, sur ce truc. Quoi que c'est. Ça peut représenter le lézard peut-être. Alors lui, j'essaie de le mettre du côté de. Hop. Je veux qu'il soit près du. Voilà. Je veux qu'il soit là. Et attends, je regarde dans le miroir, voir s'il se passe quelque chose. Est-ce que je le vois dans le miroir, le. Non, je ne le vois pas dans le miroir. Et je peux plus saluer de la main, bon, ok. Admettons. Bon, donc si je fais demi-tour. Une, deux. Attendez. Le S était à ma droite. Il était à peu près par là, sur le mur. Putain, si je dois faire toutes les heures, j'en sais strictement rien. Eh ben, c'est parti, hein. On va faire 12 fois 12 tentatives. Donc midi, on sait, ça ne sert à rien. Midi 5. Ah, c'est passionnant ça, hein. Non mais sérieusement.
Bah, elle a sonné à aucun moment. C'était passionnant. C'était génial. Je me suis bien éclaté, je sais pas vous. Mais pète-la la vitre, fais pas chier! Eh ben là, je suis coincé. Ah! Ok. Là, j'ai un coquillage. Ok. On va changer apparemment de. Bah, je dirais celle-là, c'est. Putain. Ok, j'ai un I, un L, un 1, je sais pas. C'est une coquille. Bon. Oh purée, d'accord. Y a un ordre. D'accord. Fallait pas appuyer sur ceux qui étaient sur du clair. Fallait appuyer, enfin sur du foncé. Fallait appuyer que sur ceux qui étaient en clair. Va le savoir, toi. Je. Bon, ok. D'accord.
On n'a pas revu le gecko. Ici, donc on a ce symbole-là. Donc on avait un S dans la première version. Là, on a un carré barré. On est d'accord. Ok. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a la bouteille qui se balade là, mais... Ok. Il reste ça. Oh, ça va être chiant, ça. La tease. Ah! Oh là là, cet enfer! Cet enfer! C'était ça. Je suppose que c'est celui-là du coup. C'est celui-là ou celui-là? Celui-là. Oui, celui-là. Ok. Oui! Let it sink in. Laisse-le nager ici, c'est ça? Oh! Oh! Ah, ok. Oh! Ah, laisse-le couler, d'accord, ok. On a un bocal. Je sais pas à quoi ça sert, mais on a un bocal. Ça arrêtera de me stresser ce truc. Bon. Du coup, je me dis, peut-être qu'en enlevant le poisson. En mettant le bocal. Non? Par contre, on peut revenir. Non, dans le monde normal, on peut pas. Ok, on va remettre le poisson. Je suis toujours dans le monde poisson. Parce que là, la question c'est où est le... Donc il y a un truc qu'on n'a pas fini ici. Bocal rempli d'eau. Ah. Ok. Je fais le couteau à la place, non. Si je mets les allumettes, non plus. Je peux pas. Non, le bocal rempli d'eau. Peux le remplir ici. Il me faut forcément un truc à mettre là. J'ai l'air un peu marin. Fais pas le marin. Enfin, le malin. Ah, j'ai plus. Tu me fatigues. Oh! Bonjour.
Tu veux un poisson? Non? Tu veux un bocal d'eau? Va mal finir! Oh là là! Wow! Wow! On se calme! On se calme, s'il vous plaît! Hein, restez calme, ok? Tout va bien! Oh purée, c'est quoi ce jeu? Au secours! C'est moi avec un point d'interrogation, hein, quand même. Bon. Du coup. Je dois d'abord vider le bocal. Ok, mais on peut enfermer le gecko. Alors maintenant, à quoi peut me servir ce bocal d'eau? Ok. Du coup, maintenant, j'ai vidé le bocal d'eau. Ok. Et donc, on va pouvoir aller visiter le monde gecko, entre guillemets, le monde gecko. J'appelle ça un gecko. Je sais pas si c'est un lézard, un gecko. Sage, hein. Tu bouges pas. Ok. Mon meilleur profil. Ouais. Si tu veux. Donc là, c'est un triangle parapluie, on va appeler ça comme ça. Ok, j'ai une bille. Ah, par contre, mon inventaire commence à être un petit peu restreint, dirons-nous. Ok. Ah. Ok, encore un sens à la con. Non. Alors. Ok. Trois heures cinquante-cinq à l'envers là. Attendez. Donc là il est 3h55. Clé triangulaire. Ah d'accord, ça se. L'inventaire s'étend quand même. Ah oui, puis j'ai plus mon couteau. Clé triangulaire. Ok, ça me servira. Je sais à quoi ça va me servir.
Ok. The Cycle of Life. Oh, attendez. Non. Oh non! Non, pas ça! C'est bon. Ah putain, d'accord, ok. Attendez. J'essaie, c'est... Voilà. Hop. Alors, on va mettre... Ça comme ça. Et on va essayer de le mettre dans le fond. Avec le cycle de la vie, là. Essayer de mettre celui-là, là. Celui-là, ici. Celui-là, si je le mets... Ok, il lui manque une couche. Donc, on va mettre la deuxième noire ici. Lui est très bien là, lui aussi. Du coup, lui comme ça, lui. Il manque un trou là. Du coup, je peux faire ça. Lui, je le décale d'un. Lui, ça va. Je suis obligé de le mettre dans le fond. On verra ça après. Elle est où mon étagère là? Il manque une bille. Je peux pas accéder à ça. Bon, il y a ce casse-tête donc.
Putain, mais je peux pas les mettre à côté, c'est ça le pire. Bah oui, logique. Logique. Voilà. Alors, ça, il faut que ça arrive ici. Du coup, potentiellement, je peux mettre. Mince. Je peux mettre les deux cales ici. Comme ça, ici, je suis bon. Mais là, après, je suis plus bon du tout. Du coup, si je mets ça comme ça, il m'en faut un de deux de hauteur. Ok. Alors, je pense que lui, là, faut le mettre à la place de ça. Ouais. Faut le mettre à la place de ça, je pense. Du coup. On est pas mal. Ça. Et là, ça dépasse d'un. Et lui, il lui manque un. Comment on peut arranger les choses. Et lui, pareil, ça va face. Lui, il doit être à droite. Mais j'en ai aucun qui fait deux de longueur. Pourquoi il veut pas? Pour moi, lui. Je reviens toujours au même. J'ai un problème de deux de longueur.
Ah, c'est terrible. Puis c'est bizarre cette forme là qui s'ajuste pas. Ça, c'est pas possible. D'accord. Ok, admettons. Du coup, là, je peux caser. Alors, on va dire qu'on va caser celui-là. On peut caser celui-là. Celui-là est OK. Ça va pas. C'est chaud. Wow! J'ai horreur du Tetris. Je déteste ça. Et là, c'est terrible. Je vais trouver, hein. Il y aura certainement une coupure, hein. Putain. Ok, super. Et d'où c'est qu'il s'est barré? C'est devenu le logo de... Ok. Ah, non, bah non. Alors, est-ce qu'il y a... Ah. D'accord, ok. Alors sympa, je n'avais pas vu qu'on pouvait faire ça. Ah! Ah d'accord, ok, faudra. Ah d'accord, ok. J'ai la dernière. Bah il fallait le savoir. Hein. Et je sais avec la dernière. Ça, c'était pervers quand même, hein.
Le cacher l'habit ici, c'était un peu pervers quand même. C'est là. Avec le chandelier. Ok. Et on va retourner dans le monde normal. Enfin, dans le premier monde, on va dire. Ok. Du coup, maintenant, moi j'avais ce logo-là ici. Est-ce que c'est revenu? Ok. Alors, autre chose. Ici, je sais que c'est 3h55. 55, j'ai dit. Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, maintenant, j'ai la clé triangulaire pour ici. Ah, d'accord! Ah, il y en a trois! Ça va être long, ça va être long, j'annonce. Ok, bon. Bon. Ah! De sacrifice. Clique sur le texte pour traduire. Bah les graines du sacrifice, oui. Ah, ok. Remember the time. Alors il y aurait moi le poisson, le gecko. Le temps n'est jamais mort. C'est quoi ça? C'est 8h, 8h25? Le miroir ne ment pas. Le passé ne meurt jamais. Souviens-toi de l'heure. Là, j'ai 8h50. Oh, attendez. Alors, on va essayer 8h25. Hein. On va essayer. Je sais pas si c'est 7h25 ou 8h25, donc on va essayer déjà 7h25. Hop. Non. On va essayer 8h25. Et ouais, ok. Donc j'ai ça. Et surtout, on va essayer une autre. Alors, attendez. 8h25. Donc on l'avait fait au gecko, on vient de le faire au monde normal, et il faut le faire dans le monde du poisson aussi. Donc on retourne dans le monde du poisson pour ça. On va juste se mettre la clé tout de suite. Ok. C'est pas ça? Je vais essayer 3h50. 3h55. Je vais essayer 7h. C'était. Non, c'était ça, c'était 8h, 8h25.
Ouais, donc c'est ici qu'on a récupéré le cœur, qui était extrêmement chelou.